Dans cette vidéo, j'ai pris des joueurs de 14 pays différents, les 14 pays qui regardent le plus ma chaîne YouTube, que ce soit la Tunisie, l'Italie, l'Algérie, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Russie, la Belgique, le Maroc, l'Allemagne et la France, les Dom-Tom ou bien la Turquie. Nous allons pouvoir voir aujourd'hui quel pays a les meilleurs joueurs de Minecraft. Et oui les mecs, on fait en quelque sorte aujourd'hui les Jeux Olympiques de Minecraft. J'ai préparé plusieurs épreuves dans lesquelles tous ces pays vont devoir s'affronter et à chaque tour, deux pays vont être éliminé. Et bon, du coup, à la fin, on pourra voir quel pays est les meilleurs joueurs. J'espère que vous êtes prêts, les mecs. Je suis le Dream Turk et je vais représenter mon pays. Non, mec, t'es nul, t'es vraiment pas le Dream Turk, frère. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Oh là là, il y a des tensions, il y a des tensions. Et bah, c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous combattre dans la première épreuve qui va tout simplement être un cache-cache. Donc voilà, bah, je vais vous TP dans cette map qui a été construite par mes builders juste avant. Boum, vous allez avoir 2 minutes pour vous cacher. Et dans 2 minutes, les deux premiers que je trouve seront éliminés. On se retrouve dans 2 minutes. Ok, du coup les mecs, ça fait 2 minutes qu'ils sont partis se cacher. On va pouvoir voir s'il y a quelqu'un. Ok, je suis armé de mon épée et là il va falloir que je trouve des gens. Ok, la tour de Aspas, le boss des boss. Oh là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh non, oh non, on a une première éliminée. Mais pourquoi tu fuis pas? Mais t'es trop bête. Aïe aïe aïe, c'est sûrement la fin. C'est sûrement la fin. C'est sûrement la fin pour safe. Le représentant de la Tunisie. Non mais attends, mais il fuit trop bien par contre. C'est Usain Bolt. Non mais reviens là. Ah, t'es mort. Mais mec, il veut pas mourir ou non? Oh, il est mort. Aïe 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 aïe. Bon bah safe, est-ce que t'as un mot à dire pour les Tunisiens qui regardent la vidéo et qui sont déçus de ce que tu viens de faire là actuellement? J'ai déçu mon pays, je me vengerai un jour. J'espère que mes frères maghrébins vont gagner. Ah bah on espère aussi puisque ça va pouvoir continuer, je vais pouvoir continuer à chercher la suivante personne. Ok, sinon je me demande vraiment bien s'il y a quelqu'un caché au-dessus de cet arbre. C'est forcément sûr que quelqu'un s'est caché là, hein. On va pas se mentir. Oh, je vois un pseudo, je vois un pseudo. Oh, il est là, ils sont là, venez. Viens là l'espagnol, je vais t'attraper. Tu veux quoi? Boum, ok, il a pris un coup, il a pris un coup. Il y en avait 15 000 par contre. Viens là, boum, boum, let's go. Ok, du coup, l'espagnol, tu es mort. Est-ce que t'as un mot à dire aux espagnols? Ça, c'est pas de ma faute, c'est à cause du français, il est venu m'embêter là. T'es caché, il est venu. Quoi, la faute du français? Mais qu'est-ce que tu racontes? On était au moins 4. Bah, sur la branche, j'étais tout seul, toi, t'es venu après. Ouais, bah, c'est bon, tu t'es fait tuer et accepte ta défaite, gros loser. Alors, c'est pas mon problème. L'espagnol est éliminé, on va pouvoir passer à la suivante épreuve. Et bon, du coup, la suivante épreuve, c'est un Skywars. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est un Skywars que j'ai fait par moi-même. Ah, je sais, je suis un très bon builder actuellement. Tous les pays vont devoir se battre et le pays qui va gagner aura accès à un choix crucial. Le pays gagnant pourra décider d'éliminer 2 pays. Eh oui! Moi, si je gagne, je sais déjà qui je vais éliminer, hein, c'est facile. T'es en train de regarder l'Algérien? Ouais, peut-être. Oh là là, oh, toi là, je te jure, si je gagne, je t'élimine direct, je réfléchis même pas. Oh, t'es un ouf, toi? Oh là là, il y a des gros clashs, il y a des gros clashs. Bon, on va pouvoir voir ça juste après. Je sens qu'il y en a 2 qui vont s'attaquer. En tout cas, ils vont tous avoir 16 blocs, une flèche, un arc et une épée. Ok, bah, du coup, ça commence. Oh là là, oh là là, on a nos 3 combattants. Le Marocain, le Suisse, le Français et le Belge. Ouh, le Belge qui se protège face au Français. On sait pas pourquoi, le Français qui a pété un plomb, il bouge même pas, il va se faire complètement éliminer. Non, non, oh merde. Oui, il avait l'air de pas du tout être préparé. En tout cas, ils ont intérêt à bien poser leur bloc parce que bon, ok, ça joue. Quelles vont être les stratégies? Pour l'instant, j'ai l'impression que personne ose tenter. Il y a le Marocain qui tente. Le Marocain qui tente. Et c'est risqué, mais ça passe pour l'instant. Personne n'est venu attaquer. Ça continue. Oh, le Marocain qui a sauté, qui est mort. Face au Suisse, le joueur suisse qui va essayer de se battre. Le joueur suisse qui défonce le Belge. Suisse face à la Belgique. La Suisse face à la Belgique qui va gagner. Qui va gagner? C'est les 2 qui sont morts. Ah bah voilà, ça c'est le vrai skill. Ne rien faire et gagner. T'as aucun honneur, Snowad. Sinon, en attendant, ça se joue de l'autre côté. Entre l'Allemagne, le Canada, les Dom-Tom et la Russie. Ouh là, ils jouent eux tout safe. L'Allemagne qui a une flèche. Elle a été loupée puisqu'il a touché mais qu'il ne peut plus l'utiliser maintenant. Oh oui, non mais là, la Russie, elle, c'est même plus safe là en fait. Ça joue stratégie défensive là. Ouh là là, les Dom-Tom. Les Dom-Tom qui tentent un truc. Ah mais non, c'est même pas les Dom-Tom, c'est l'Italie. Qu'est-ce que je raconte? L'Italie, pardon. Qui va tenter quelque chose? Les Danis qui tentent le saut. Qui était nul. C'est plus qu'une finale. Entre l'Allemagne et la Russie. Allemagne contre Russe. Allemagne contre Russe. Qui va gagner? Oh là là. Oh là là. Les Allemands qui prennent cher. Oh non, finale. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné, même à 3 contre moi, ils pouvaient rien faire. Ah bah bien joué à toi les gars, hein. Là t'as bien représenté l'Allemagne. Sachant que d'un autre côté, ça va être le début des conflits. On s'en rappelle, il y avait eu un conflit juste avant le match. On s'en rappelle très bien. Qui va gagner? Entre l'Algérien, le Turc, le mec des Dom-Tom et l'Américain. L'Américain qui prend un arc. Oulala, ça va faire mal pour le Turc à mon avis. Sachant que l'Algérien a aussi envie de le rush, le Turc. Le Turc qui se prend de tous les côtés, il va pouvoir rien faire. L'Algérien face au Turc. L'Algérien face au Turc et l'Américain qui vient backstab. Oh là là, l'Américain. Oh, l'Américain même en ayant backstab s'est fait défoncer par l'Algérien. L'Algérie qui va défoncer tout le monde. Mais comment?
comment il fait? Il est trop fort! Voilà, je vous l'avais dit, là, j'ai tout défoncé. Eh ben, t'as raison, là, tu les as vraiment humiliés, là! Magnifique, représente bien les Maghrébins. Ok, bah maintenant, pour le dernier fight, ça va se rapprocher, ça va être entre les trois gagnants des combats. Qui va gagner? Entre la France, l'Algérie et l'Allemagne. Est-ce que la France va jouer la même stratégie pourrie de se cacher? Ok, ça a joué. Combat entre l'Allemagne et l'Algérie. L'Allemagne qui est morte toute seule, mais quel noob! Oh là là, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est donc un match d'Italie et Espagne, l'Algérie française, c'est une humiliation! Humiliation, il s'est fait tuer en un coup! Le français qui a joué nul à chier pendant toute la partie et qui a réussi à gagner! Oui, bah c'est facile, je vous l'avais dit, le meilleur moyen de gagner, c'est de se cacher. Bah c'est le moyen, le pire moyen surtout, t'as aucune valeur là quand tu fais ça là. Tout ce qui compte, c'est gagner. Bon bah du coup, Snow White, tu vas pouvoir sortir et décider qui tu souhaites éliminer parmi tous ces pays actuellement. Ok, ok, donc le choix est dur, mais j'ai fait mes alliances et donc je vais pas tuer quelques pays, donc je vais faire un peu hasard. La Turquie. Mais tu veux quoi, Brucci? T'auras pas de kebab, pourquoi t'attaques à Dream Turk? Si t'as le skin de Dream, tu pourrais peut-être aussi te cheater, donc j'écarte cette possibilité. Eh bien, c'est l'élimination pour la Turquie. Boum! Et la deuxième personne qui va être éliminée va être... La Russie, elle me fait trop peur. C'est vrai qu'il est un peu trop musclé à mon goût, le Russe. Non! Tu es bonne! Mais bon, les mecs, aujourd'hui, je fais ce concept et je suis très content parce que je pense vraiment qu'il va vous plaire. Mais d'ailleurs, les mecs, vous êtes pour qui actuellement? Parmi tous les pays qui participent, quel est celui que vous soutenez? Et pourquoi? Dites-le moi en commentaire maintenant. Bon, bah, du coup, on va pouvoir passer à la suivante épreuve. L'épreuve du hasard, puisque c'est la même épreuve que dans Squid Game. Vous allez devoir sauter sur un des commandes blocs au hasard. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a un sur deux qui vous tuera alors que l'autre ne fera rien. Votre objectif, c'est d'arriver tout au fond. Et ben voilà, bah, vous avez 2 minutes. Hein. Il faut faire votre choix. Il y en a qui doivent se sacrifier là. Ok, ça commence. Vous avez plus que 2 minutes. J'ai l'impression que là, si personne se lance, ce sera fini, les mecs. Hein. Oh, oh, Metzel qui est dans un truc. Metzel qui est dans un truc. Le Marocain, il a osé. Il a osé, mais pourquoi il a continué? Il est éliminé. Moi, je vais essayer. J'ai pas peur de me faire tuer. Ah bah là, t'as surtout pris aucun risque. Là, les deux premiers ils ont été trouvés par le Marocain, pas par toi. Hein. Mais là, je vais en prendre un gros risque en choisissant un des deux là. Ok, ok, bah là, tous tes potes vont te remercier là actuellement. Ah, bah j'ai l'info qui vient de mourir actuellement. Let's go! Vous êtes plus que 8. Ok, bah du coup, le Maroc et la Belgique sont éliminés. Ils se sont sacrifiés pour les autres. Est-ce que vous avez un truc à dire? Je suis sacrifié pour mes copains. Je veux que la France gagne. Ok, bah c'est ce qu'on va pouvoir voir. Est-ce que t'as un truc à dire, toi, le Belge? Moi, je me sacrifie pour des gens qui n'ont même pas essayé. Je trouve ça scandaleux. Je pensais pas que j'allais mourir. J'étais au mauvais côté, malheureusement. Bon, déjà, le Belge, faudrait déjà gagner un match de foot. Et ensuite, merci beaucoup, le Marocain, parce que sans toi, on n'aurait jamais réussi. T'inquiète, bonne chance, mec. On se retrouve à la Coupe du Monde 2022. Bolos. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ces clashs là? C'est pas possible! Et bah, vous savez quoi? Ça tombe bien parce que le prochain truc, ça va être quoi? Un combat PVP! Et bon, du coup, le premier match, il va opposer la Suisse face à la France. Ah, bah, je vais enfin pouvoir me venger de l'euro au moins. Qu'est-ce qu'il veut, le loser là? Ok, bah, du coup, ça peut commencer. Vous allez pouvoir régler vos bouts différents. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Suisse face à France, c'est assez serré! La France qui se fait défoncer! Et non! Et non! C'est bel et bien la Suisse qui a perdu! Alors, ils veulent quoi, les riches? Aïe aïe, Azerlo, t'es éliminé! Non, mais moi, je suis pas habitué au PVP 1.16. Oh, l'excuse, t'es éliminé! Ok, bah, du coup, ça va pouvoir commencer. Nouveau combat, Allemagne face à l'Italie. Ok, qui va gagner? Premier combat, le combat qui est en train de tenter! Les Allemands qui défoncent les Italiens! Mais il arrête! Quoi? Mais ça n'a aucun sens! Je dis toujours n'importe quoi en fait pendant les combats. En fait, oui, on a défoncé l'Allemagne. Bah, t'as bien joué parce que vous êtes l'Allemagne est éliminée maintenant. Ok, du coup, le prochain combat, ça sera entre les États-Unis. On va conquérir le monde, c'est incroyable. Et le Canada. Je vais leur montrer à mes voisins l'eau. C'est du vrai PVP, l'eau. Oh, bah, c'est ce qu'on va pouvoir voir! C'est ce qu'on va pouvoir voir! Quel est le vrai PVP? Entre les États-Unis, enfin les Américains et le Canada, go! Ok, ok! Oh là là, je pense que le Canada s'est fait défoncer. Ah ouais, je t'avais dit, hein, je suis le plus fort. Eh bah, t'avais raison! Ok, du coup, le dernier combat, ça sera entre les Dom Tom et l'Algérie. On est les meilleurs, on va gagner comme le Skywar, je vais défoncer. Bah, c'est ce qu'on va pouvoir voir en tout cas, puisque le combat commence maintenant! Ok, ok, qui va gagner? C'est serré, pensant un coup partout! Un coup partout et c'est l'Algérie qui gagne! Magnifique, on va pouvoir passer à la suivante épreuve! Et la suivante épreuve, elle est hyper simple, c'est un concours de build! Mais pas n'importe quel concours de build! Chaque pays devra construire de la gastronomie à son effigie! Ça veut dire qu'en gros, bah, si t'es français, bah, tu dois décider, bah, par exemple, du pain, quoi, de la bouffe spéciale de ton pays, t'as compris? Si t'es italien, des pâtes! On va voir ce qu'ils vont faire, et on se retrouve dans 5 minutes!
Ok, du coup les mecs, on se retrouve, ça fait 5 minutes que je suis parti. On va pouvoir voir quels sont le niveau des builds. Du coup, le premier build, c'est ça. Oh non, c'est l'Américain. Ils ont fait un McDo. Bah oui, on ne mange que du fast-food en Amérique, c'est connu. Bah franchement, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on reconnaît pas la marque du... Là, si ça se trouve, c'est de l'eau à l'intérieur et du coup, c'est pas dans le thème. Oui, on n'a même pas besoin de préciser, c'est du coca à l'intérieur. Oh là là, mais qu'est-ce que j'entends. Bon bref, on va pouvoir passer au suivant. Oh, une petite pizza de notre italien favori. Et une pizza avec un peu tous les ingrédients dedans. Ok, bah on a de tout, on a... Non, franchement, ça a l'air d'être une bonne pizza. Par contre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas du fromage de partout. C'est un peu bizarre, mais bon, bref, franchement, ça reste une bonne pizza. Sachant que la suivante, oh non, c'est le français. Le français, il nous a fait une baguette de pain. Usine à fromage de Snowhead. Oh là là. Ça, c'est le bon français agriculteur, là. C'est mon grand-père qui m'a laissé cet héritage d'agriculteur, donc je cultive sa passion. En tout cas, je suis pas sûr qu'il avait des pixel art de pain chez lui, hein. Mais bon, bref, on va passer à la suite. En attendant. Oh, c'est un couscous de notre frère algérien avec un peu de mouton. Ah oui, les moutons crus là, c'est quoi cette histoire? Bon, les moutons ils sont pas morts. T'aurais pu le couper leur laine au moins. Bon, franchement c'est pas mal. Oh, je reçois un message. Sans vouloir dénoncer, Snowhead continue à build après la fin du temps. Quoi? C'est sérieux ça? Ah non, c'est complètement faux. Dès que vous avez dit arrêtez, j'ai complètement arrêté de poser un bloc. J'ai des gens qui m'ont dit le contraire. Ah non, j'ai pas posé de bloc. J'ai peut-être fait clic droit avec de la bonne mille, mais c'est pas posé. Quoi? Ok, mais le français est éliminé en demi-finale. Je suis désolé, mais c'est la triche là. Il a peut-être triché. Par contre, il faut éliminer une deuxième personne. Je vais pas vous mentir que. Ah, je sais pas. Franchement, on élimine l'italien. Je suis désolé. Ça se joue entre toi et l'algérien, mais. Il est trop simple en fait. Au fait, les mecs, si vous voulez un deuxième épisode des Jeux Olympiques, vraiment mettez des likes et abonnez-vous tous. Par pitié, on a 270 000 abonnés quand même. Abonnez-vous. Et bon, si je vois qu'il y a 20 000 likes, on refera un épisode. Du coup, on se retrouve pour une finale. Algérie, let's go! Face aux États-Unis. Oh, mais je vais réduire un miette, l'Algérie. Ils sont vraiment trop faibles comparé à moi. Oh là là, mais t'es sérieux? Bon, bah, on va pouvoir voir ça tout de suite. Puisque la dernière étape, elle va être hyper simple. Ils vont chacun avoir une pelle. Et avec cette pelle, ils pourront casser les blocs juste en dessous d'eux. Et leur objectif sera de tuer l'adversaire. Ça va être la grande finale. Ils vont pas pouvoir se battre avec leur pelle. Juste casser les blocs en bas. C'est parti, go! Ok, les stratégies vont tenter. Ils étaient déjà tombés, c'est risqué! C'est risqué, il y a des risques à votre prix. Faut faire très attention, en vrai. Allez, bonne chance. Allez vous battre. Faut prendre des risques. Ok. Oh, Derek, il vient d'être repris. On a un échangement de terrain. Et c'est pas fini. Rien n'est joué. Tout peut se jouer d'une minute à l'autre. Ouh là, l'Algérie se met dans une mauvaise position là, actuellement. Là, l'Américain, il est bien là. Il est bien, Ratman. Il est vraiment bien. Non, c'est pas qu'il va gagner. Allez, il est tombé. Oh oui, j'ai gagné. Oh oui, j'ai gagné. Je suis vraiment le meilleur pays du monde. Personne ne peut me battre. Eh bien, bien joué aux États-Unis. Bref, les mecs, si la vidéo vous a plu, mettez des likes. À 20 000 likes, on fait la revanche, je rappelle. Et voilà, c'est les mecs.